Alors aujourd'hui les amis, petite vidéo, comment bien commencer dans GTA RP. Ceux et savent qui savent pas c'est quoi le RP, etc. Mais j'ai de quoi vous dire, GTA RP n'est seulement disponible que sur PC. Sur PS4, Xbox One, ça ne fonctionnera pas. 5M est compatible seulement que sur PC. Mais pareil, sur console, vous pouvez vous arranger avec des amis et essayer de faire du RP dans GTA Online, mais c'est de la marde. Fait que vous allez avoir besoin de 5M téléchargé. C'est vraiment tout simple, installer 5M. It's easy, ok? Même pas besoin de vidéo, de tutoriel. C'est facile, ok? C'est plug and play, mettons, comme que je dirais. It's too easy, ok? Fait que là, vous allez mettre 5M. Par la suite, il va y avoir un téléchargement de 1,5 Go, qui est pas trop loin à mettre. Ok, ça c'est dégueulasse. Par la suite, vous lancez 5M, puis vous allez avoir un menu. Fait que là, on va aller ouvrir 5M sur mon bureau. Et voilà, je viens d'ouvrir 5M. Là, je vais juste le mettre en grand écran. Fait que ici, vous allez avoir un menu. Okay. Vous allez dans serveur. Et si, mettons que vous, ça va être comme ça. Okay. Vous allez voir plein de serveurs, mais ça, c'est des serveurs anglais, puis qui est pas vraiment dans notre pays. Fait que si vous voulez faire du RP avec des personnes québécois ou français, ici, vous allez voir toute la liste des serveurs QC ou français. Quand même assez bien achalandé, bien sûr. Par contre, moi je joue sur Québec Nation, serveur assez nice qui a été ouvert il y a une semaine. Bien sûr, ça je sais pas ce que ça fait là, j'ai sûrement accroché. Donc là, on n'est pas beaucoup, hein. Bien sûr, on est lundi à 15h10. Fait que c'est plus le soir, ça bouge plus. Là, vous allez arriver ici. Vous allez avoir le nom de serveur, qu'est-ce qui se passe un peu. Puis, toujours bien important, rejoignez le Discord. C'est super important parce que je vais aller ouvrir Discord parce qu'il y a tout. Tu sais, ça va, voyons comment dire, se ressembler sur certains serveurs. Et sur certains serveurs, bien sûr, là, je me répète, il y a un visa. Un visa, c'est juste que faut que tu écrives ta bio du personnage pour qu'on puisse t'ajouter, pour donner ton visa, pour que tu puisses join the game. Et par la suite, comment ça fonctionne, GTA RP, faut que tu rejoins le Discord, tu te fais tarer dans le jeu. Tu fais ton bonhomme, tu t'en vas te chercher un travail, tu parles avec les gens, tu vois si t'aimes le serveur, etc. Puis si t'aimes le serveur, ben tu peux toujours faire un travail whitelist. Qu'est-ce que c'est un travail whitelist? C'est un travail que ce soit ambulancier, police, avocat, virginon, ça veut dire bar de danseuse. Amunition, garage, taxi, puis aussi il y a les jobs dans l'illégal. Ça, à la plupart des serveurs, il faut avertir le staff. Moi, je sais pas trop là, si on doit avertir le staff, mais il y a des points de drogue, tu peux faire de la drogue, etc. Vraiment plein d'affaires, tu te tannes jamais au RP. Puis, on va aller sur la page du Discord. Comme moi, en ce moment, je suis sur Québec Nation. Et je suis modérateur test. J'aime pas trop ça d'être modérateur parce que j'y connais pas grand chose en modération. Mais pareil, ça je vais pas vous le montrer parce que ça reste entre équipes. Ici, je vais juste tasser ma webcam. Ici, vous pouvez voir la liste. Ici, ça c'est les bots. Modérateur, habituellement, il y a admin en haut et il y a les fondateurs du serveur, ceux qui scriptent le serveur. Ici, SPVM, ben moi je suis dans la police, comme que hier je suis staff, modérateur, SPVM, recrue citoyen. Ok, mais je suis plus recrue, ok? Donc là, on a les chauffeurs de taxi, ambulanciers, ça c'est les bars de danseuses, puis ça c'est les citoyens. Bien sûr. Puis ici, ça c'est les personnes en attente de visa.
Et ça, c'est les personnes qui sont hors ligne, bien sûr. Mais là, il y a beaucoup moins de gens parce que le staff est en vacances. Et moi, non. Ok. Fait que je suis pas mal obligé de gérer le Discord. Quand t'arrives, habituellement, t'as souvent moins de calls que ça. Parce qu'il faut que tu fasses ton visa. Puis là, ben, c'est là par la suite que vous allez avoir toutes les options. Bien sûr, la deuxième affaire, quand t'arrives dans un serveur, c'est de lire les règlements. C'est super important. Un jeu de rôle, et voilà, je vous laisse lire. Vous pouvez faire pause à la vidéo. Fait que pour que ça reste bien sûr le plus réaliste possible. Roleplay, ça veut dire roleplay, ben réaliste gaming un peu là, mettons là. Yeah! Règlement gang, bien sûr, demande de rôle, nouveauté. Tu sais, nous autres, on a des tenues de la SPVM, de la SQ. Ici, bien sûr, si vous avez des questions, pourquoi votre 5M ne fonctionne pas, faut supprimer la cache. Les touches dans le jeu, par contre, le serveur où est-ce que je suis fonctionne très mal à la manette. Ça, c'est les besoins d'attente d'être. Il me semble que... mettons que je vous mets en situation puis vous avez un problème du côté... exemple, vous êtes buggé ou il y a eu un problème. Ben, vous allez là. Vous allez faire. Puis, vous allez tout simplement attendre que quelqu'un arrive en attente d'être. Ça, c'est juste un truc nouveau. Ici, on a le chat ORP. Bien sûr, vous écrivez qu'est-ce que vous voulez. Bien sûr, pas de spam. Ça serait apprécié. À peu près. Moi, je dis ça en général sur tous les serveurs. Annonce, ça, c'est les admins. Qu'est-ce qu'ils font pour rejoindre, soutenir le serveur, bien sûr. Parce que ça coûte de l'argent pour host un serveur. Je pense que le haut de gamme, c'est 100 ou 150. Là, il y a des anti-DDoS puis tout, mais c'est vraiment cher aussi. Il y a le nombre de personnes. Tu peux avoir des serveurs à 32 personnes, 64, 128... Je pense que juste 200. Je pense au maximum c'est 256 ou de quoi de même. Ça coûte. C'est quand même un investissement, un serveur. Mais par exemple, un don à un serveur, c'est vraiment apprécié parce que ça peut aider aux fondateurs pour qu'ils puissent améliorer le serveur, améliorer la box ou est-ce que. Tu sais, parce que sur GTRP, il y a de la latence. Ok? Parce que. Mettons, je vous donne un exemple, que quelqu'un joue en France, puis moi je suis au Québec. Ben, je vais foncer dans sa voiture, puis habituellement l'affaire c'est que moi je vais voir qu'il y a eu un impact, mais lui ne verra pas d'impact. Fait que c'est pour ça le décalage, tout simplement du ping. Fait que débat, etc., suggestions, les candidatures de staff pour avoir, avoir un job, liste de patrons, et voilà, les patrons sont tous ici. Musique in-game, mature, création, absent, ça c'est bien sûr, il y a un absent du ça. Ça c'est les radios ORP, Twitter, le bon coin, où est-ce que tu vends les voitures. Bref, il y a beaucoup de choses. Recrutement, police, bien sûr, faut faire une candidature. La plupart des serveurs, c'est justement ça. Ça, c'est les droits de la police, les prix d'ambulancier, etc. Ça va toujours dépendre de votre serveur. Des fois, il y a des serveurs qu'il va y avoir beaucoup de gens. Ben, tu vois, il n'y a plus personne. Fait qu'on va aller se connecter. Il faut que votre Steam soit ouvert parce que sinon, ça va vous afficher un message d'erreur. Yeah. Fait que là, on va arriver dans le loading du serveur. Bien sûr, ça se connecte. Notre fameuse fondateur a mis de la fucking bonne musique au loading du serveur. Il a mis du Lost. Il a mis du White Bee. Il a ainsi mis Do Soldier. Oh oui, c'est fucking nice. C'est pas trop long à charger, mais c'est fucking nice. La nuit de ma zone. Ah, fais chier. Mais la plupart des serveurs, vraiment, ça se ressemble pratiquement. Mais là, c'est vraiment notre launcher personnalisé. On a mon personnage. Bien sûr, je peux supprimer la game, mais c'est ça que je ferai pas. Fait qu'on va faire jouer. Puis là, on va arriver où est-ce qu'on a lâché notre dernière partie. Là, je vais... OK, là, je suis au Comico, au poste de police. OK, fait que ça, c'est moi.
Fait que là, de... ah, si j'ai chié, ça sent grosse merde. Fait que là, on arrive, bien sûr. Vous autres, quand vous allez arriver au serveur, vous allez arriver à l'aéroport. Vous louez un véhicule, puis vous allez au pôle de l'emploi qui est juste ici. Vous trouvez un travail, vous faites un peu d'argent, puis vous parlez avec les joueurs. Seulement pour bien commencer, une partie en RP. Par la suite, on a les fameux menus qui dépendent des touches, bien sûr. Les inventaires, qu'est-ce qu'on a. Portefeuille, je suis officier. Regardez sa carte d'identité. Par contre, là, on voit pas hein, à cause de ma crise de webcam. Ah, fuck, j'ai pris 4 sur l'écran. Vêtements, on peut enlever nos tenues. Animation, bien sûr, parce que j'étais au RP, tu restes pas comme un piquette à rien faire. Tu peux fumer une top, jouer de la musique. Et vous pouvez vraiment tout faire. Là, on va annuler l'animation. F1, ça, c'est notre fameux téléphone. Bien sûr, on peut envoyer des messages. On peut aller sur Twitter. Par la suite, contact. On peut vraiment tout faire. Mon numéro de téléphone. Fait ici, administration, ça, c'est mon menu que je vais pas vous montrer. Interaction citoyen, ben ça, je suis une police, fait que je peux arrêter les gens, voir leur carte d'identité, les fouiller. Interaction véhicule, plaisir, et voilà, et voilà, et voilà. Ça, c'est mon fameux radar. Mais ça c'est juste un PNJ, ok? Ça, c'est pas un joueur en contexte. Il y a vraiment personne, il y a juste moi sur le serveur. Fait qu'ici, sur mon serveur, ici, on a des chars de la SQ. On a des chars aussi de la SPVM, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules modés. Ben, beaucoup. On en a quand même une coupe. Mettons qu'ici, on a un Crown Victoria avec une belle plaque du Québec. Oh, ben, recule. On a vraiment beaucoup de choses. On a vraiment des scripts quand même assez nice. Là, plutôt, cette partie-là est vraiment consacrée à la présentation de Québec Nation. Bien sûr, le script n'est pas pareil que sur GTA normal. Fait que bien sûr, exemple, vous allez en bas dans GTA 5 ordinaire, ben, il y a des pièces qui seront pas acceptables. Comme ça, me semble, dans GTA 5, tu peux pas aller là. Je suis pas certain, mais je penserais pas ça. Ça, c'est un script qui a été rajouté avec des lignes de code. Je crois. Je suis vraiment pas sûr. Puis justement, ici, on a les fameuses cellules que je peux barrer. Que je peux sortir juste à la cour en arrière. Voyons, putain. Ok. Ça ici, me semble, ça, dans GTA normal, il est là. Fait qu'on a des belles affiches de la sûreté. Ah, fuck, je viens de fermer ma porte. Motherfucker. Ok. Vraiment, qu'est-ce qui est drôle sur notre serveur, c'est que... on a eu ce script-là. Fait qu'on peut pisser à terre. Ok? Fait on peut chier. Vous voyez un peu qu'est-ce que je vous en dis, c'est quand même assez intense. Fait que comme vous pouvez constater, il y a vraiment beaucoup de choses là, dans le serveur. Les ambulances, un hôpital, il y a Uber, il y a des couche-tards. Sérieusement, là, je vous invite fortement à rejoindre le serveur. Vous allez quand même adorer. Là. Ici, on a le char de police qui est quand même bien assez détaillé de l'intérieur. Qui est assez fucking nice. Bien sûr, ici, on a une sorte de sirène. Bien sûr, le serveur roule à 30 FPS, malheureusement. Ah, fuck. Ça, c'est pas RP pantoute, mais je faisais vous montrer un peu. Fait que ici, ça, c'est le garage central où est-ce que vous allez aller porter vos véhicules, etc. Que vous allez acheter, bien sûr. Le vol de véhicules est quand même assez déconseillé parce qu'on peut le savoir avec des appels. Et on peut vous arrêter pour vol de véhicule. C'est vraiment assez complet, GTA RP. Par la suite, on a ici le concessionnaire. Le concessionnaire où est-ce qu'on vend des véhicules. Comme mettons, on va aller voir, je vais aller vous montrer les véhicules qu'on a. Et voilà. Fait que là, mettons, véhicules importés, ça c'est les véhicules qui sont modés. Des chars dans la vraie vie.
comme moto modée. Des belles motos. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas assez de beaucoup de véhicules pour le moment. Un beau Jeep, des belles Lambo, des Porsche. Oh oui, monsieur. Je crois qu'on a eu quelques petits nouveaux véhicules. Par contre, ça va dans la moto, là. Il y a un scooter qui est modifié, qui est fucking nice. Sérieusement, je l'adore. Il est juste incroyable. Regardez ça. Un pipe, un P-flow, tout le kit, mon gars. Sérieusement, là. Le mode est fucking génial. Fait qu'on va aller au casino parce que, bien sûr, on a un casino. Ah, aussi, je peux vous montrer l'hôpital, mais c'est un hôpital, c'est basic, là. Il y a pas mal juste ça. Je pourrais vous montrer nos ambulances. Aïe, aïe, calice. Je pourrais vous montrer les ambulances, bien sûr, et qu'est-ce qu'on a. Je sais pas s'ils vont se spawn, hein. Ok, on va rentrer dans l'hôpital. Dans l'hôpital, il y a vraiment beaucoup de scripts. Ça, c'est les salles d'opération. Ça, c'était une sortie de secours. Ah, fait chier, il n'y a pas d'ambulance. Ah, merde. Peut-être à l'avant, je sais pas. On va aller vérifier. Ok. Fait que c'est ici, on a l'ascenseur. On est rendu au deuxième étage. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'ambulance de sortie. Mais en fait, c'est les fameuses ambulances vertes qu'on a au Québec. C'est un mode, bien sûr. Là, par la suite, ici, il faut pas que j'aille là parce que la dernière fois que j'étais allé là, ben, je me suis fait chier. Ça ici, c'est notre fameux... Oh, on va pouvoir faire des scènes RP ici, ça pourrait être fucking nice. Ça c'est le toit où est-ce qu'il y a une ambulance. Hey, calice. Fait que, etc. Ça c'est comme une autre partie de l'hôpital, mais... Fait qu'on peut, on peut se coucher dans un lit. Ce qui est vraiment drôle, là. Hey, on tabarnak! Ok. Donc ici, on a vraiment une quand même assez belle vue. Oh. Fait que ça, c'est pas mal le petit moment nostalgique au casino qui va ouvrir sur GTA Online. Wow. Mais par contre, je crois que le fondateur n'a pas activé les machines à sous. Fait qu'on arrive dans le scripts. Ça lag un peu. Ah, c'est ça, il a pas activé les machines à sous encore. Ici, on a des machines à poker. On a vraiment beaucoup de choses. Ouais, ça lag. Ça lag. On a vraiment beaucoup de choses. Ben, beaucoup. Mettons que c'est en masse. On sait qu'on arrive ici. Et ici, on a garde de sécurité. On a des guns. Ça, c'est vraiment bien pensé. Ici, on a le gros coffre-fort que je peux ouvrir autant facilement que ça. C'est vraiment assez complet. Ouais, la porte a pas de l'air très solide, hein. Elle a de l'air très molle. Ah, ça lag, putain. Regarde, on a hôpital de Québec, poste de police, gouvernement. Ça a vraiment été tout changé. On va aller au gouvernement voir si on met un scripts. Je pourrais vous en faire une vidéo d'une heure pour tout vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le serveur. Comment il y a vraiment beaucoup de choses. Oh! Tabarnak! Vous voyez comment le script s'est bien fait. J'étais pas attaché, hein, fait que j'ai revolé. Là, bien sûr, dans... Vol de véhicule de police. Ouais, mais c'est moi le vol de véhicule de police. Fait que vous voyez ça dans le RP, là, vous appelez une ambulance. Fait que c'est pas mal ça, on va enlever ça de là, c'est dérangeant, mais c'est certain sur plusieurs serveurs, là, il y a vraiment beaucoup d'affaires. GTA RP, c'est vraiment nice, c'est vraiment une famille, c'est que du
plaisir. Honnêtement, là, je vous conseille vraiment de jouer une fois dans votre vie à GTRP, puis vous allez accrocher. T'sais, même moi au début, j'étais genre, que c'est dégueulasse. Oublie ça, quand j'ai joué, là, je passais des 10 heures puis des 12 heures non-stop. Là. Puis j'étais pas tanné, là. Hein? C'est vraiment une drogue, hein? Fait que, bien sûr, le lien du Discord de notre serveur va être dans la description. 5M aussi va être dans la description. Fait que, j'aime très fort. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Mets ton like, commente la vidéo, comment tu l'as trouvé, like ma page Facebook, Instagram et Twitter. Et également, viens me suivre sur Twitch quand je joue quand même souvent au RP. Fait que c'est pas mal ça. Fait que moi, je vous aime très fort. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo, les amis. Bye bye!